Les désaccordés, ça veut dire quoi? C'est bizarre comme nom. Je suis pas sûre d'avoir compris. Alors, Zoé arrive dans une nouvelle école. J'espère qu'elle sera de nouveaux amis. Toi, je t'aime pas, toi. Mais qu'est-ce qui lui a pris de dire ça? Il ne la connaît même pas. Alors, ça te plaît, nous, au collège? Ouais, ça va, mais ma mère, c'est une souche. Encore ce cassos d'Hugo? Alors lui, dès le début de l'histoire, il essaye déjà de se faire remarquer. Quel culot! C'est vraiment une plaie, ce mec. Ouh, la galeuse. Oh, galeuse, va. Allez, fais-lui comprendre. Il l'a vraiment mérité, celle-là. Bon, maintenant, faites la paix et que ça ne se reproduise plus. La violence ne résout rien. Elle n'a pas besoin de s'excuser contre ce pauvre type. C'est injuste. Ah ben, heureusement que Zoé peut compter sur son amitié avec Gloria. Elle est incroyable, relation. C'est comme dans les films, comme dans Les Demoiselles de Rochefort. La 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 la. Ouah, elles font quand même beaucoup de sorties ensemble. Des pique-niques, des balades à vélo. J'en reviens pas que Gloria puisse faire autant de choses alors qu'elle est malade. Elle est forte et courageuse. Je trouve ça sympa que Zoé l'encourage à mettre son vrai nom sur Instagram. Et Gloria, elle est à l'écoute quand Zoé lui raconte sa journée. Quelle chance d'avoir une amie comme elle. C'est vrai qu'ils n'ont pas une vie facile. Ils ont connu... Salut papa. Le rejet. C'est qui? Personne. Le deuil. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. La maladie? Je suis vraiment désolée de vous dire ça, Gloria, mais vous êtes atteinte de leucémie. Pas facile leur vie. Je me demande comment ils font pour supporter ça. Rouler, sauter, voler comme mon père, comme mon frère. C'est une drogue, c'est l'effet adrénaline. Mais en fait, c'est vrai qu'ils ont chacun leur truc pour se libérer de leurs problèmes. Mes parents, entre-temps, m'avaient offert un appareil photo. C'était comme si on m'avait offert une nouvelle paire d'yeux. Je chante la musique qui est plus forte que tout. Elle se répand à l'intérieur de mon être en minuscules ruisseaux. Finalement, ils sont en paix avec eux-mêmes, en accord avec eux-mêmes. C'est plus la guerre entre eux. Il y a même deux beaux couples qui se sont formés. Ah, bah alors, c'est ça que ça veut dire désaccorder. Quand on est perdu, quand il y a une fausse note, quand on n'est plus en harmonie avec soi-même. Quatre ados avec quatre histoires touchantes et bouleversantes. Ils s'entraident pour pouvoir trouver leur voix. Car oui, à plusieurs, on est plus fort. Un peu comme des instruments qui s'accordent pour un morceau de musique.